La fondation Etisalat Bénin met la joie dans le cœur des filles du centre Ruth de Parakou, un orphelinat qui vient en assistance aux enfants victimes d'abus de tout genre. À travers ce don, cette fondation répond ainsi au SOS lancé par l'orphelinat. Nous avons estimé que ces filles vivant déjà des drames, ce sont des filles abandonnées, des filles violées, des orphelines et des filles qui ont vécu plein d'autres drames. Nous avons estimé que déjà des filles en situation vulnérable, en plus qui n'ont pas l'occasion de manger convenablement, que nous ne pouvions pas rester insensibles à cela. Et donc c'est à ce cri de cœur que nous avons répondu en venant ici ce jour pour leur faire don de vivre. Nous sommes venus avec les produits de première nécessité, le riz, le maïs, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate, l'huile, etc., pour leur permettre quand même de manger convenablement. Cette donation de la Fondation Etisalat Bénin démontre une fois de plus tout son caractère social. Aujourd'hui, nous sommes surprises vraiment. Nous sommes très, très, très surpris du geste de la Fondation Etisalat et nous les remercions infiniment. Nous vous remercions. Nous avons besoin de la nourriture, mais vous nous avez amené. Que Dieu vous bénisse. Là, vous avez enlevé pour nous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre un grand port de bénédiction. Afin que l'année prochaine, que vous puissiez trouver le plus pour nous. Cette action sociale marque également le lancement officiel de la 5e édition du MOUF d'Inscrew. Nous sommes à la 5e édition et actuellement nous le lançons à Parakou avec un cachet spécial. Nous le faisons désormais avec une action sociale. Outre Parakou, la fondation se rendra aussi à Boïkon, Cotonou et Porte-Novo pour le même exercice.